Nous sommes le 11 juin. Il est 11h et ça fait 2 heures que nous sommes en route depuis le pont de Chalki. Nous avons dormi à 2000 au nord de Chalki pour ne pas être immédiatement dans la ville. Et on a parfaitement... c'était parfait. Donc là, on est à peu près à la moitié de la remontée le long de l'île de Bé ou Evia. C'est magnifique ici, on se croirait, c'est un lac. Hein. C'est une mer. Il n'y a pas de mer, c'est plat. Par contre, il peut y avoir des vents catabatiques qui viennent des montagnes, ce qui ne sera pas trop le cas aujourd'hui. Et c'est un paysage qui nous fait penser un peu à la Corse, à la côte du Pays Basque. Au moins de ce côté, le côté ouest de l'île de Bé. Donc nous allons direction Limni, dans un tout petit port. Dans une toute petite marina, on espère y trouver de la place, on va voir. C'est pas sûr, mais... Alors, ce paysage de montagne, ça nous fait vraiment penser à plusieurs endroits vécus, le Pays Basque, la Corse, peut-être aussi, la Sardaigne aussi. La Sardaigne, la côte est de la Sardaigne. C'est grandiose, c'est sauvage. Naturellement, aucune route. Là-bas, il y a un mouillage. Là-bas, il y a un mouillage avec une maison. On va passer devant, mais on va pas s'arrêter. Donc ça, c'est une ruine industrielle transformée en hôtel. C'est joli, hein? On arrive à Limni là, on y est dans quelques minutes. Sinon tu mets à couple avec un bateau, c'est possible. C'est pas trop de tours, hein. Il y a 34 mètres. Oui. Combien de bateaux dedans? Combien de places pour combien de bateaux? Tu vois bien le bateau à gauche? Oui, je le vois bien, je pense que je le rase. Oui, mais on a qu'à mettre 20, à mettre 10, je sais pas. 2,80 m. Ah, regarde. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a de la place devant? Je vois
pas des Sizac. Mais là, la place est pas bonne, hein. Si, ça se fait, ça. Ça se fait, ça se fait. Il y a un bateau devant, Jacques. Il y a un bateau devant, hein. Jacques. Ouais, ouais, je vais reculer. Mais c'est là qu'il faut aller, hein. Jacques, c'est là. Ouais. Il y a la distance qu'il y a entre le pêcheur et l'autre bateau. Ça va aller? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. J'y vais. Vas-y, traverse. Non, je vais chercher la mare arrière. À l'ombre. On est un peu anglais. Je ferme exprès là. Hein. Ouais. Je te laisse faire. Hein. Ah, oui, oui. Je ramasse un peu.